Il y a l'Afrique, il a commencé comme ce qu'on appelle un boy ou un commis dans le tâcheur, c'est mieux. Mon tâcheur pour rester. Maintenant, vous avez un tiers des actions. 49% de la société. 49% et parce que la moitié. Exactement. C'est vrai que la France m'a donné la chance, comme on dirait de toute façon. On a de la pédagogie à faire. Parce qu'il y a des choses simples, mais le problème, c'est que c'est souvent les jeunes générations n'ont jamais fait. Parce qu'en fait, c'est plus transmis. Justement, là, je vous ai emmené du monde. Donc, on fait un peu de pub. Les haricots de veau, les rognons, les foies de veau, tout ça. C'est la foie de veau qui est de retour depuis quelques mois. Non, mais attendez, vous n'êtes pas le sujet de la visite. Bonjour, messieurs. Bonjour, vous allez bien? Je suis un négociant pour les bouchers. C'est mon boucher. Vous êtes bouché où? Dans le 16e arrondissement. Ça, c'est pour lui, ça va aller dans le 16e. Ça. C'est un fin gourmet, il aime bien. Bon, c'est des produits bruts. Un boucher ordinaire, détaillant, il vient combien de fois par semaine? Deux fois. Est-ce que les animaux sont heureux? Quand ils sont ici, oui, ils sont heureux. Oui. Avant d'être ici. Plus l'animal est matraqué, plus le produit est mauvais. Donc on n'a aucun intérêt que l'animal soit matraqué. Bien au contraire. Merci. Vous allez bien? On se connaît? Vous êtes déjà venu? Oui, vous êtes bien. Je vais être la seule à venir souvent. Vous allez bien? Ça va? Bon, écoutez, oui, ça fait une heure qu'on tourne, on n'a encore rien mangé. Alors voilà, le filet mignon de porc cru fumé, madame. Attention, c'est bon. Sur les charcuteries espagnoles, c'est une distorsion de concurrence. Allez goûter, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous avez de la brebis, vous avez du brie de Meaux. C'est celui qui est dans l'accord avec les Canadiens ou pas? Parce qu'il y a le brie de Meaux qui est, le brie de Melun qui n'est pas, ou le contraire. Ah oui, elle est très sympathique. Hein. Elle est très sympathique. Hein. Parce qu'elle dit, c'est positif, et on y croit quoi. Bah, j'espère que vous allez aider beaucoup, beaucoup les jeunes. Et les vieux, vous allez les dorloter. J'ai 75 ans, ça fait 10 ans que je m'amuse à faire ce truc-là. Vous ne pas si je veux faire ça. À 14 ans, le matin de bonne heure, je débardais. À 7 heures, je repartais sur les chantiers. Et le soir, j'allais au cours. On m'a dit voilà que la mâche était d'une qualité absolument extraordinaire, exceptionnelle. C'est la mâche de chez Fillon. Général, c'est le bordel. Merci à vous, merci de nous avoir accompagnés. Merci au général pour son accueil. Il est général. Tout le monde l'appelle général, mais parce qu'il est général. Bonjour mon général. Bonjour. Voilà. Vous reviendrez une fois que vous serez président. Un jeune homme qui sait encore dire mon général, c'est bien. Fait. Non mais j'ai fait ma journée d'appel alors. La journée d'appel, c'est bon, on n'apprend pas. Voilà mon petit gars.